ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus tout. Bonjour. Parfait, je pense qu'on m'entend dans le fond. Voilà, bonjour à tous, on va commencer. Félicitations d'être à l'heure avec des petits bouts, c'est jamais ça, je connais ça aussi. Alors je propose qu'on commence, puisque pour certains vous êtes ici déjà depuis quelques minutes. Alors, tout d'abord, merci à chacune et à chacun pour votre présence aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie Un arbre, un enfant. Alors, comme vous le savez probablement, Un arbre, un enfant, c'est une initiative que nous devons à la région Wallonne qui a voulu redonner vie à cette ancienne tradition qui était jadis de planter un arbre quand un enfant naissait. C'était une tradition celtique qu'on retrouve maintenant également chez nous. Alors, cette année, vous êtes 70 à avoir inscrit votre enfant à l'occasion de cette cérémonie, 70 sur 192 naissances. Alors, il faut savoir que les enfants qui recevront le RAC aujourd'hui sont tous âgés de 5 mois à 1 an et 5 mois. Hein. C'est la date qu'on se donne puisqu'on va forcément planter en hiver, c'est logique. Alors, vous avez eu la possibilité cette année soit de venir chercher des plants à mettre dans vos jardins, soit de venir chercher des plants qui seront mis dans une parcelle des naissances et qui, dans quelques années, deviendra évidemment un joli forêt, un joli bosquet où on pourra gambader avec les enfants devenus évidemment plus grands. Alors, vous avez eu la possibilité de choisir parmi différentes espèces via le talon formulaire qu'il fallait nous renvoyer. Alors, l'ensemble de ces espèces sont évidemment des espèces indigènes. L'objectif est également de faire en sorte qu'on ait une plus-value pour la biodiversité. Alors, laissez-moi vous raconter rapidement une petite histoire, l'histoire de mon chêne. Quand j'étais toute petite, en maternelle, j'ai eu la possibilité de planter un gland, c'était avec une institutrice en deuxième ou troisième primaire, et pour les esprits, ça pourrait faire rire, c'est pas moi qui ai planté le gland, on m'a donné un gland, je devais évidemment suivre petit à petit. Et alors, quand on a vu les premières pousses sortir, eh bien on a eu la possibilité de ramener notre petite pousse de gland à la maison, et on avait dans la même symbolique la possibilité de le planter dans notre jardin. Alors aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Entre-temps, le tout petit fruit que j'avais planté en ayant à l'époque 2 ans et demi, 3 ans, eh bien c'est devenu un grand arbre. Et je pense que c'est une symbolique intéressante puisque l'ensemble des arbres que vous allez planter dans les prochains jours, j'espère, et on ne va pas tarder évidemment à le mettre au jardin, dans quelques années, eh bien, deviendront eux aussi des arbres forts. Et j'espère que chaque année, vous pourrez avec vos enfants retourner voir cet arbre qui a été planté en symbole justement de leur naissance et que vous puissiez d'ici 10, 20, 30 ans retourner avec eux, voir cet arbre, que ça reste quand même un lien important pour vous.